Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur le plateau d'APE, Agir pour l'environnement, la seule émission hebdomadaire qui dure 26 minutes, donc toutes les semaines, entièrement consacrée à l'environnement, c'est forcément sur ce plateau, et ça fait 3 ans que ça dure. Merci à tous nos partenaires. Aujourd'hui, on va parler d'une culture ancestrale, on l'a plus connue sous le nom de la culture sur brûlis. On a avec nous Anne-Constance. Anne-Constance, bonjour. Bonjour Patrick. Alors, la culture sur brûlis, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est plutôt à Mayotte une bonne chose, puisque ça évite le recours aux phytosanitaires, donc aux pesticides et autres, pour préparer les terres avant qu'elles ne soient cultivées. Mais on va le voir dans un instant qu'il ne faut pas le faire n'importe comment et dans n'importe quelles conditions et pas non plus n'importe où. Donc, a priori, la plupart de nos agriculteurs maorais sont plutôt agro-responsables. Agir pour l'environnement au quotidien, c'est possible. En tout cas, moi, j'y crois. Tout de suite, le sommaire de l'émission. La culture sur brûlis, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça permet? Nous allons découvrir cette méthode d'agriculture. Elle est souvent confondue avec le défrichement et ce sont bien deux choses différentes. Nous allons nous efforcer de clarifier tout ça. Avec nos invités, bien évidemment, Daniel Lesure, chef de l'unité forêt, bois, biomasse de la DAF. Et puis, bien évidemment, Mohamadi Chebani, vice-président de la CAPAM. Nous ferons le point sur les avantages de cette méthode agricole, notamment pour éviter le recours aux pesticides. Et puis, en fin d'émission, on retrouvera Anne-Constance Onguena, qui nous indiquera quelques chiffres qui sont assez étonnants. Vous allez voir ça dans un instant. Le thème de cette émission et notamment de ce reportage que vous allez découvrir dans un instant, vous l'avez compris, c'est la culture sur brûlis. Nous allons, aux côtés d'un agriculteur, découvrir ce savoir-faire ancestral, car il s'agit bien d'un savoir-faire ancestral à la base. Il va tout nous montrer. Nous aurons aussi l'occasion de voir les ravages occasionnés par la technique sur la forêt lorsqu'elle est pratiquée n'importe où, ou n'importe comment. C'est le service des ressources forestière du conseil départemental qui nous a servi de guide pour ce reportage. Regardez ce sujet réalisé par Pierre Bellucci et Daniel Dunon. La culture sur brûlis est particulièrement utilisée comme moyen de défrichement et de fertilisation dans les zones tropicales et équatoriales. À Mayotte, cette technique a toujours été une solution de mise en valeur et de nettoyage des parcelles. Déjà de mettre le feu, c'est pour, justement pour nettoyer leurs parcelles. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas trop le pourquoi, enfin l'avantage de laisser la végétation pour sur place. Parce que bon, on a cette habitude ancestrale qui est à nettoyer le terrain clean, propre. C'est pour d'après, ça peut être pour éviter les bestioles, quoi, les bêtes pour qu'ils ne mangent pas leur culture, quoi. L'emploi du feu à usage agricole doit respecter plusieurs conditions. L'incinération des végétaux doit d'abord s'effectuer sous forme de tas ou par rangées sur un espace clairement délimité, de manière à ne présenter aucun risque pour les parcelles et espaces voisins. L'incinération ne peut être entreprise qu'en conditions de vent inférieures à 20 km/h, après déclaration préalable auprès de la DAF en saison à risque, c'est-à-dire du mois de juin au mois de décembre inclus. Tous les agriculteurs qui travaillent avec les services de la DAF ont ainsi été formés au respect de la réglementation. On ne peut pas brûler tout comme ça. Si tu fais les brûler, tu fais le groupe des herbes là, ou de l'arbre, et puis tu mets les feux. Mais tu ne peux pas faire les feux comme ça. J'ai resté à côté juste pour que les feux descendent. Problème, après 3 ou 4 années de culture, les sols sont épuisés et l'agriculteur est contraint de déboiser une autre zone. Par ailleurs, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, la technique de culture sur brûlis peut provoquer des incendies et détruire de vastes hectares de forêt. En effet, lorsque le feu se propage, il est bien souvent difficile de le stopper. De loin, on peut voir la fumée, c'est là où on intervient. Ou bien si c'est à côté d'une piste, on y va jusque sur place et puis c'est là où on intervient avec les pompiers, quoi. Mais ici, c'était un peu difficile de venir ici. Il a fallu pendant 3 jours, parce que c'est pas mécanisable, les pompiers ne peuvent pas venir ici avec des jets d'eau. Les agents de la DAF et du conseil départemental sont quotidiennement mobilisés afin d'effectuer des opérations de sensibilisation auprès des agriculteurs. Néanmoins, au regard des pertes enregistrées, il reste encore beaucoup de travail pour que la pratique devienne pleinement raisonnée. Cette année, on a perdu quand même 30 hectares de brûlis.
il y a eu 230 interventions de psy, de secours, de pompiers, et il y a eu 150 hectares de feux de végétation. Quand je dis 30 hectares, c'est de la forêt, mais 150 hectares, c'est de la végétation. Donc, comme le champ, comme dans les champs privés, il y a eu 150 hectares environ qui sont détruits pour l'année 2019. C'est beaucoup par rapport à 375 km², c'est beaucoup. Hein. La culture sur brûlis est une pratique aux effets à court terme et conduit souvent à une érosion des sols. Néanmoins, à Mayotte, il apparaît difficile de prohiber totalement cette technique car il n'existe pas de méthode alternative de mise en valeur agricole qui permette de soutenir la volonté affichée de limiter les produits phytosanitaires. Ouais, des images surprenantes. Merci en tout cas à Pierre Bellucci et toute son équipe. On va attaquer tout de suite et présenter nos invités. On a Mouamadi Chebani, le vice-président de la CAPAM qui est avec nous. Mouamadi, bonjour. Et on a également Daniel Lesur, chef unité forêt, bois, biomasse de la DAF. Daniel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À vous deux, première question pour Mouamadi. Qu'est-ce que la technique de culture sur brûlis? Clairement, c'est quoi? C'est une technique ancienne, oui, que nos parents ont utilisée et ont jugé auparavant que c'était bien. Oui. Et aujourd'hui, contraire à ce que nos parents ont dit que c'était bon, nous voyons que, bon voilà, vu les formations que nous avons reçues, que nous suivons et que nous pratiquons, on commence déjà à délaisser cette technique pour rentrer dans des techniques modernes que tout le monde devait aujourd'hui mettre en pratique et en œuvre. Oui. Puisque mais cette là, technique, elle n'est pas interdite à Mayotte. Non, elle n'est pas interdite, mais ça a été interdit en métropole. Ouais, mais ça. Pourquoi pas à Mayotte? Or, Mayotte est une terre aussi française. Ben oui. Et là, nous nous battons pour qu'un jour, on y arrive rapidement à être à la hauteur de tous les Français. Bien sûr. Parce que là, aujourd'hui, on se dit, on est département et il y a des trucs qui se font, il y a des trucs qui ne se font pas. Ouais. Pourquoi? Ouais. Alors là, moi, je pose la même question. Pourquoi on ne peut pas interdire la culture avec brûlis? C'est la question que je vais poser à Daniel. Daniel Lesur, cette technique est interdite en France, ça on l'a bien compris, mais pas à Mayotte. Pourquoi? Alors, je vais préciser. Oui, bien sûr. Brûlis, ça consiste à couper tous les éléments végétaux, y compris tous les éléments arborés, c'est-à-dire les arbres qui peuvent être présent sur une parcelle pour mettre en culture. Donc c'est assimilé à un défrichement. D'accord. Sur le fond. Hein, c'est-à-dire qu'on a un changement de nature de l'utilisation d'une parcelle qui passe d'une utilisation forestière à une utilisation agricole. D'accord. Par définition, le défrichement est interdit, comme en métropole. Ouais. Ce qui n'est pas interdit, c'est l'incinération, l'écobuage, c'est-à-dire le fait de brûler les végétaux pour faire de l'entretien agricole. D'accord. Simplement, ça peut être réglementé par des arrêtés préfectoraux, notamment en métropole, dans le cas du plan atmosphère, donc c'est les plans les mesures du ministère de l'Environnement pour lutter contre la pollution de l'air, ou pour des raisons sanitaires, donc dans le plan départemental de santé, ou également dans les plans de prévention des risques. Est-ce que cette technique enrichit les sols ou elle les appauvrit? Alors, c'est une technique qui enrichit le sol de manière très brève, c'est-à-dire que vous avez un apport de matière organique et minérale au sol qui donne un coup de fouet aux plantations. D'accord. Qui peuvent être faites aussitôt. Par contre, à terme, au bout de 2-3 ans, les sols retrouvent, un niveau de fertilité plus bas qu'auparavant. D'accord, donc ça donne un coup de fouet. Ça donne un coup de fouet, ouais. Mais je tiens à préciser que pour Mayotte, la technique sur la culture sur brûlis est interdite. Elle est assimilée à un défrichement, il y a un arrêté préfectoral qui date de 2017, et qui interdit cette pratique-là. Par contre, elle réglemente la pratique de l'incinération. D'accord. Le but, c'est d'éviter en période à risque, notamment en matière d'incendie, lors de la saison sèche, d'avoir la propagation d'incendies qui pourraient provoquer des dégâts aux cultures comme bien évidemment à l'environnement de manière générale. Moi, m'a dit, une fois qu'on a fait cette culture sur brûlis, c'est-à-dire qu'on a tout brûlé, qu'est-ce qu'on plante? Quand on a tout brûlé, ce qu'il faut planter, c'est normalement
On plante, il y a des plantes qui plantent des bananes, du manioc, de tout ce qu'ils veulent planter. Mais moi, ce que je trouve qu'il faut planter, normalement, il faut remplacer les bois qu'on a coupés. Parce que là, on les remplacer et brûler, par des... il faut remettre les mêmes, en fait. Voilà, donc là, on les a coupés, on les a brûlés. Ouais. Il faut les remplacer par des cultures fruitières, des D'accord. arbres fruitiers. Ouais. Par exemple, il faut mettre du fruit à pain, ouais. de manguier, ouais. des trucs comme ça qui ouais. peuvent Jacques. Ramener l'ombre au champ. Bien parce sûr. Que ça, s'il n'y a pas de l'ombre, il y a toujours ce que vient de dire mon ami là, il y a automatiquement du soleil qui va brûler durant toute l'année. Et même si vous plantez des bananiers, ouais. ils ne vont pas tenir. Mais le brûlis, est-ce que ce n'est pas le moyen d'éviter une culture avec des pesticides? Oui, c'est un moyen de lutter. C'est, ouais. D'ailleurs, on les utilisait avant. Nos parents les ont utilisés, ils ont utilisé ce moyen ouais. parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour se procurer. Voilà, pour amener au champ. Et aujourd'hui, oui. il manque de moyens. Oui. Les Maorés, il y a manque de moyens. Oui. Si tu leur dis, bon voilà, ils n'ont même pas de... Ils ont que le coupe-coupe et la hache. Rien que ça. Mais à métropole, on peut l'interdire parce qu'on a tous les moyens, on a toutes les machines. Alors là, c'est pourquoi j'en trouverai l'occasion ici de lancer un appel à tous nos partenaires, ouais. que ce soit l'État, la collectivité et les autres organismes qui travaillent avec les agriculteurs, de nous aider et d'aider aux agriculteurs à avoir aussi des machines. Et donc, des moyens pour tenir. Mais justement, quand la technique n'est pas maîtrisée, ouais. Notamment la technique du brûlis, que se passe-t-il? Mais voilà, il y a, si ce n'est pas maîtrisé, mais là, on attend la terre qui va dans la mer. Ce qu'on appelle l'érosion. Ouais. Et on est obligé, dans ce cas, d'appliquer ce qu'on appelle l'agent cher. Ouais. On va laisser le champ, on va cultiver cette année. Ouais. Si ça ne donne pas, ouais. on doit laisser la place pendant 3, 4, 5 ans ouais. pour que se repose. Après, on va recommencer. Ouais. Et alors là, ce n'est pas la bonne technique. C'est pourquoi on doit suivre les conseils de nos camarades de la DAF ouais. qui vont nous donner tous les moyens pour venir à bout de l'agriculture à Mayotte. Ouais. Voilà. Donc là... je voudrais revenir sur ces fumées, Daniel, que l'on voit notamment derrière nous, sur ces images. Ces fumées que l'on voit dans la forêt, c'est de la culture sur brûlis ou c'est de la déforestation, selon vous? Alors, il peut y avoir deux cas. Ouais. Si on est dans le cadre, du calendrier agricole, vous pouvez avoir une personne qui fait de l'incinération en tas, en andin, des rémanents de coupe, hein, c'est-à-dire ouais. des produits, des végétaux concurrents qu'il a coupés sur sa parcelle pour favoriser sa culture, ouais. et il les brûle, ça fait de la fumée obligatoirement. Hein. Ouais, ouais, ouais. Par contre, il peut y avoir le cas où le feu qui est pratiqué n'est pas contrôlé et s'étend donc à l'ensemble de la parcelle, c'est ce qu'on appelle un feu courant, et peut également endommager les riverains, les cultures des riveraines, ou si c'est en bordure de forêt, mettre le feu à la forêt tout simplement, comme ça s'est passé par le passé, notamment cette année, enfin 2019. Ouais. Donc le problème de ces fumées, c'est souvent le mauvais contrôle de l'usage du feu. C'est-à-dire qu'il faut... Le vent qui est le vent, il faut le faire, voilà. Donc l'arrêté préfectoral auquel je faisais référence réglemente le feu, l'incinération, tout au long de l'année, et notamment en période à risque, demande aux agriculteurs de faire une déclaration, justement, pour être au courant que l'agriculteur pratique le feu à tel endroit, et respecte certaines règles qui sont des règles de prudence élémentaire, mettre le feu de manière circonscrite sur la parcelle à l'état bien, bien identifié, et puis avoir une surveillance, et ne pas le faire, bien entendu, par vent fort. Ne pas utiliser de produits combustibles pour attiser le feu. De l'allume barbecue, voilà, par exemple. Voilà. Et puis, et bien entendu, le pratiquer dans des heures où on peut avoir une surveillance normale et une intervention des services de secours s'il le faut. Donc Mohamed dit, finalement, comment on peut savoir où on doit planter? Parce que là, il y a des techniques et des consignes qui sont données. Comment repérer les endroits où on peut planter? Mais repérer, c'est facile parce que là, vous savez que la forêt à Mayotte est... Il y a trois niveaux. Mmh. Ah, il y a le niveau de l'État. Bien dans le micro. L'État a
c'est-à-dire sont ces parties, comme les pages géométriques sont des propriétés de l'État. Il y a ceux de la collectivité c'est-à-dire départementale, et il y a de terrains propres aux agriculteurs, c'est-à-dire on dit privés. Oui. Donc là, identifier là où on va planter, premièrement, ça doit être déjà un endroit privé. Tu peux aller te planter chez toi. Oui. Deuxièmement, il y a qui veulent prêter ou bien faire une location avec la collectivité, la collectivité départementale. Et il y a qui utilisent les terres de l'État. Oui. Il n'est pas là pour sans le savoir. Il y a des terres de l'État qu'on utilise. Oui. Mais là, ce qu'ils veulent, ils ne nous interdisent pas. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on respecte les normes de l'État. C'est-à-dire là, n'est pas brûlé, n'est pas dépassé, sinon... Mais là-dessus, vous êtes d'accord, vous ? Mais oui, moi je suis d'accord qu'il ne faut pas brûler, parce qu'on a beaucoup de risques, on a le risque de sécheresse. C'est quand même dommage, parce que c'est quelque chose qui a montré son efficacité. Après, effectivement, les choses évoluent, mais c'est aussi un moyen pour lutter contre l'utilisation des pesticides. Est-ce qu'on sait, par exemple, combien on a perdu de surface forestière ces dernières années ? Alors, Daniel ? Là, il faut être prudent, parce que bon, la notion de forêt peut couvrir à Mayotte la notion de, disons, le domaine forêt publique qui est purement forestier, et ce qu'on appelle le domaine agroforestier, qui peut être constitué d'un ensemble, disons, de surfaces à caractère forestier, qui sont utilisées à un usage agricole. Donc, ça ne répond pas nécessairement aux caractéristiques de forêt, au sens du code forestier, parce que la forêt est définie pour Mayotte réglementairement. C'est-à-dire qu'elle est définie par une nature d'essence, donc d'arbres forestiers, et puis par une densité. Donc, on peut voir des parcelles agricoles qui sont boisées et qui ne sont pas nécessairement considérées comme forêt. C'est à l'image une image toute simple pour faire la comparaison, c'est que vous avez en métropole, vous avez les bocages. Le bocage, c'est un ensemble qui est relativement bien boisé, mais ce n'est pas nécessairement un défrichement si on coupe on détruit un état boisé, mais ce n'est pas assimilé à une réduction de surface forestière. À Mayotte, il y a un cas encore un petit peu plus particulier, c'est cette notion d'agroforêt qui intervient, où on a une diminution du couvert agroforestier. Donc, on a une ouverture des paysages sur tout l'ensemble qui est utilisé à des fins agricoles. Par contre, les surfaces forestières qui sont circonscrites au domaine forestier public, c'est-à-dire les forêts départementales, les forêts domaniales, sont dans, un état de surface relativement stable. Il y a des atteintes, mais par définition, l'état boisé est conservé puisque la destination est forestière. Et il y a des règles et des moyens financiers pour pouvoir reconstituer justement les surfaces qui sont défrichées par des occupants en situation, enfin de manière illégale, et qui font du défrichement. Normalement, l'État et le département peut reboiser et même a l'obligation de reboiser. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est inquiétant, messieurs, pour conclure. Est-ce qu'on doit être inquiet de cette situation ou plutôt optimiste en disant non, on va dans le bon sens ? Alors, il faut pas minimiser le risque. C'est-à-dire qu'on a un héritage forestier et arboré très unique au niveau de l'environnement régional. C'est clair. Par rapport aux autres îles, que ce soit de l'archipel des Comores ou même si on va un peu plus loin par rapport à Maurice ou je me rappelle plus la petite île Madagascar également. Donc on a un héritage forestier qui est dans un état... Vous parliez de Rodrigue, peut-être. Oui, Rodrigue, voilà, tout à fait. Bon, on a un héritage, mais il faut en prendre soin, parce qu'il y a des atteintes, des menaces de plus en plus importantes, et on a une réduction globale de la surface forestière, ou tout au moins du couvert arboré dans tous les cas. Donc, comme je vous le disais, ouverture des paysages, diminution des arbres sur les parcelles agricoles, donc on peut parler d'agriculture sous couvert, arboré,
Donc, obligatoirement, ça a des incidences sur la protection des sols, sur la ressource en eau. Mais ce n'est pas la notion de forêt qui est à retenir absolument dans cette problématique. C'est clair. On y voit en tout cas beaucoup plus clair. On a la chance d'avoir Anne-Constance sur ce plateau, la championne du monde des chiffres. Anne-Constance, combien d'hectares de forêt brûle par an, pardon, à Mayotte, hein? Il semblerait, suivant les chiffres trouvés, que ce soit 25 hectares par an. Alors, je sais pas, j'ai pas de notion. Est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? Alors, oui, alors je dirais même que c'est beaucoup plus. C'est plus? Oui, c'est beaucoup plus parce que annuellement, on fait le point avec le SDIS, les partenaires gestionnaires pour faire justement remonter les informations sur les surfaces détruites. Le SDIS intervient beaucoup sur des feux non maîtrisés en matière agricole, c'est-à-dire des feux qui vont déborder sur les parcelles riveraines. Ça les oblige à intervenir, donc c'est beaucoup d'interventions en période. Et quand vous dites beaucoup plus, c'est quoi, le double? Ça peut être le double? Ah bah, disons que le SDIS enregistre ce qu'ils appellent des feux de végétation. Hein. Ils ont à peu près plus de 200 interventions en période critique. Donc c'est énorme. Maintenant, en surface forestière brûlée, cette année, on est à peu près, je dirais, à une cinquantaine, soixantaine d'hectares d'atteinte sur des massifs à caractère forestier. Alors, il faut savoir que malgré tout, 2019, qui a été une année exceptionnelle au niveau sécheresse, hein, puisque Météo France a confirmé que c'était l'une des premières années les plus sèches depuis qu'on enregistre les données météorologiques, cette année n'a pas été très dommageable. Et on a eu beaucoup pire dans les années 2014. On a eu plus de 130 hectares de massifs impactés. C'est clair. Il faut voir, excusez-moi de préciser, mais souvent, les feux qui provoquent des dommages à la forêt, ce sont des feux en bordure de forêt. Hein, c'est-à-dire des feux qui sont pratiqués en zone limitrophe et qui, en fonction de la pente et du vent, vont attaquer, bien sûr, les massifs. La dernière question, Anne-Constance. Le CO2 émis par les incendies, notamment, reste dans l'atmosphère combien de temps? 100 ans. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. C'est pour ça que c'est assez significatif et ces facteurs de réchauffement climatique. Mais la forêt, elle a quand même une capacité d'absorption de ce CO2. Alors, juste un chiffre, pour pas en donner trop. Un arbre de 5 mètres cubes, donc un gros arbre, comme on peut en trouver quelques-uns ici, a une capacité d'absorption de 5 tonnes de CO2, ce qui représente à peu près les émissions de 5 allers-retours Paris-Mayotte. Donc, il y a même un certain nombre d'enjeux à ne pas faire n'importe quoi avec ces techniques de feu agricole. Merci beaucoup Anne-Constance. Merci également à Mohamadi Chebani, vice-président de la CAPA. Merci à Daniel Le Sueur qui nous a rejoint sur ce plateau, chef unité forêt, bois, biomasse à la DAF. Et puis on vous remercie à vous également qui êtes toujours aussi nombreux pour nous regarder parce que l'environnement est important à Mayotte et puis agir pour l'environnement au quotidien. On y croit tous. En tout cas pour moi, c'est certain. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.